Eh ben Demo, on te souhaite une bonne soirée. Du coup, on est arrivé à la fin du jeu, on a battu tous les boss, on a fini le DLC. La seule question qui nous reste, c'est on tue German ou pas? Est-ce qu'on fait la bonne fin du jeu ou est-ce qu'on fait la mauvaise fin du jeu? Je sais qu'au début on était parti sur le fait de faire la mauvaise fin du jeu. Du coup, où est-ce qu'on respecte les paroles ou est-ce qu'on respecte pas les paroles? Fais la fin moyenne. Donc je tue German et je prends pas les cordons. Ah oui, je voulais vérifier quelque chose. C'est dommage que Bastien soit pas là parce que c'était lui qui avait pris la décision au début. Après tout, le personnage porte son nom. Après, je crois qu'on a aussi dit qu'on faisait un all boss, et du coup, si on fait un all boss, normalement. Je croyais que cette trappe, elle s'ouvrait à un moment. M'aurait-on menti? Ouais, mais on a dit all boss après qu'on ait dit. Ah, ça me fait chier parce que. J'ai toujours dit qu'on respectait les promesses. Sous réserve des boss disponibles. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça me fait souci cette histoire.
me suis trompé de TP. Bon, du coup, il n'y a que deux personnes qui ont répondu sur le nom, sur ce que je devais faire. Donc, c'est moi qui vais décider, hein. Salsifi. Allez, attendez, on va aller acheter des potions. Chasseur, vous avez réussi. La nuit touche à sa fin. À présent, je vais faire preuve de pitié. Vous allez mourir. Oubliez ce rêve et vous éveillez au petit matin. Vous serez délivré, délivré de ce terrible rêve de chasseur. Qu'est-ce que c'était ? La chasse, le sang, ou ce rêve horrible ? Bah, ça ne fait rien. German, qui est quand même un des premiers chasseurs, est le dernier encore lucide en fonction, même si lui ne chasse plus en fait. C'est l'assistant des chasseurs. Régler ce genre de problème. Ce soir, German participe à la chasse. Ce soir, German participe à la chasse.
Putain, mais... Putain, mais il a vraiment des coups cheatés, quoi. Ça s'était mieux passé la première fois, bizarrement. Il y a des boss comme ça, en fait. Je sais pas. Je comprends pas comment esquiver ses coups en fait.
C'est fait pour en fait. En fait, t'arrives à la fin de la chasse et tu découvres que celui qui te servait de mentor fait ça depuis très très longtemps. Non, c'est pas le méchant en fait. Non, c'est pas vraiment le méchant. En fait, lui, pendant des siècles et des siècles, il a vu les chasseurs s'enchaîner. Enfin, c'est pas vraiment des siècles, mais pendant des nuits et des nuits, en fait, il s'est occupé des chasseurs, il les a poussés à gagner. Et en fait, il a été obligé de se débarrasser d'eux à la fin pour pas qu'ils deviennent eux-mêmes des monstres. Et non, c'est pas vraiment lui le dernier boss du jeu. Pas si vous voulez faire la bonne fin en fait. Oh, ça appelait Misael. Ça ressemble un peu à mon prénom, c'est cool. Il est où le monsieur? Putain, il joue au canon, quoi. Ah non, mais on peut plus faire la mauvaise, les gars. Hein. Ah non, vous m'avez dit on prend la bonne. Moi, j'ai pris la bonne, hein. Moi je kiffe ces pas d'ombre. Tu sais que tu peux les avoir, Kazuo? Je te montrerai tout à l'heure l'item. L'enfant de la lune. Le vrai dernier boss de Bloodborne.
Dark Souls 3. Et on le commencera jeudi. En fait, si j'ai pas arrêté le live tout à l'heure, c'était pour continuer jusqu'à la fin du jeu. Vous avez froid ? Oh, brave chasseur. Bah, j'allais te proposer de pour te demander si tu voulais faire du Wildland, mais je crois que tu voulais finir ton jeu. La poupée qui est techniquement une copie de ce qu'est Maria en fait. Comme Maria est partie pour le rêve du chasseur, Garman a créé la poupée sous son effigie parce qu'il aimait Maria. C'est fini en effet. Merci, Kaz. Oh, oh, beau gosse. De Dieu.
Parfait. Tout est signé et scellé. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Du coup, ça change même pas un tout petit peu le début, quoi. Ça enlève juste la partie où il dit présentez-vous, quoi. Faut que je partage mon snap. Vas-y, hésite pas, Kaz, hein. Partage ton snap, fais-toi plaisir. Hein. Vous êtes trouvé un chasseur. C'est pas très utile en fait. Putain, qu'est-ce, comment ils vendent ça, quoi?
bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant, je suis... German, ami de vos autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé, mais... ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est pour votre bien. Vous savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Autrefois, un atelier, vous pouvez même la poupée. C'est quoi l'item Baka? J'ai acheté une pierre pour monter l'épée de Ludwig niveau 10. Y a pas d'item pour les TP dans Bloodborne. Pour Dark Souls, c'est l'os du retour. Ah, pour l'esquive, tu veux dire. Alors, pour l'esquive, c'est ça. L'os. C'est un os que tu trouves, en fait. Ouais, c'est temporaire, ouais. Ça utilise 4 balles. Mais ça rend tes esquives totalement imparables, quoi. C'est pas dégueu, hein, franchement. C'est cher 4 balles. Non, c'est pas cher parce que au final, il y a très peu de gens qui jouent vraiment au flingue. Du coup, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On a fini le jeu. On se retrouve jeudi pour du Dark Souls.
D'ici là, allez voir Kazuo, allez voir Planus, allez voir Daradada. Allez voir tous mes copains, en fait. Hein. Regardez un peu qui je follow et allez-y. Bisous, bisous. Moi, je vais aller me faire à manger. Ah, ce soir, Kazuo, moi, je viens modérer ta chaîne ce soir.